Pixie. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien et vous? Oh bah oui, ça va très bien. On est juste dans une petite galère, mais vraiment petite. Hein, ça va aller. C'est... Une petite... Mais ça va, ça avance. Bonjour à tous, c'est Mitio. Et Pixie. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog avec sa... Dans un nouveau vlog. Et ça fait tellement longtemps. Je sais pas. Moi, ça fait un an que notre dernier vlog est sorti. Mars 2017 peut-être. Putain, ça fait trop de bruit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog, donc, pour aller à Disneyland Paris. Oui, ouais. On a pris une autre route qui est un peu longue, en fait. C'est un mensonge. Ah, non, nous n'allons pas à Disneyland Paris. Nous allons à Jablin. C'est une base de loisirs très sympathique avec un petit étang. Enfin, je ne suis jamais allée, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Ça, c'est super précis. Oui. Bah, vous allez voir ça dans quelques instants. Il était une fille dans ton talon aiguille et cœur de cactus. Il était un homme en loge. Délégué par amour, comme toujours. Ah là là, regardez comme c'est trop cool. Attends, j'arrive pas à zoomer. Où est-ce qu'on est, à ton avis? Je sais pas. C'est un Disney remasterisé? Oh, c'est ça. Oh, mais attends, ça a changé Disney. Oh là là. Attends, mais carrément dans le parking, quoi. C'est trop stylé. Alors voilà, c'est le château de Disneyland, voilà, regardez. Ah, elle a changé, attends, on le voit pas bien. Ça a un petit peu changé, on a fait quelques travaux d'aménagement. Oui, 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 oui. On a voulu changer de thème, vous voyez, parce que ça passe un peu plus français, vous voyez, c'est... Ouais, parce que là, bon, c'est pas très très français non plus, hein, ma foi, mais... Regardez ce beau t-shirt que j'ai acheté sur le site des successeurs de Disney. Ils sont magnifiques, alors allez jeter un coup d'œil, j'ai pas l'adresse là, mais je la mettrai en commentaire, enfin, en description. Notre première attraction de la journée. C'est quoi déjà le titre? Le défi de César. Le défi de César. Il faut faire un mètre pour le faire. Mince, tu ne peux pas le faire. Ah zut. Ah zut. Bon bah c'est... Bon voilà, on y va. Ah bah. Je suis le centurion. Et c'est moi qui vais avoir l'insigne honneur de t'accompagner dans ce fabuleux bras. Oui, 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 bah donc on a mis la salle de bateau avec la... Ça va, t'as le mal de mer toi? En plus on va de manger la pizza, donc si je mange peut-être bien. On va espérer que la pizza ne sort pas de nos estomacs, ça va pas faire trop plaisir aux gens qui sont devant. En plus c'est de la pizza fromage. Moi ça va, c'est une royale. Mais on l'a fait 10 fois moi. De quoi? Remus et Rapidus? Bah ouais, on l'a fait 10 fois. Oh, une fois ça suffit hein. Surtout si on finit trempé. Sunny, pas de problème en single. Il n'y a personne qui raille. Pas de tune des amis. On est tellement loin l'une de l'autre. Ouh, ça va commencer. T'es comment? T'es protégée en mode... Non, non. Putain. Je te démerde. Mais j'ai déjà les fesses mouillées de toute façon. Les sièges sont trempés. Tu vas être faire caca? Tu sais que ça va être gardé. Oh merde. Non, j'ai pas envie de faire caca. C'était juste pour être faire bien. Ouais, bien sûr. Regardez-moi cette attraction, je l'ai jamais faite celle-ci, il faut trop que je la fasse. Moi je l'ai déjà faite. Et donc elle est bien? Elle est trop bien. C'est génial. Oh le rideau. Le rideau. Ah, grave. Alors les amis, il faut qu'on vous raconte un truc. Il y a quelqu'un, il y a un des opérateurs, il a voulu pécho Michi. Il a voulu me pécho. Oui, il était. Non. J'ai même pas vu sa tête en plus. Oh si, moi je l'ai vu et non. 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 Aussi gentil soit-il. Oh, j'ai même pas vu son nom. Je peux pas lui mettre. On pourra pas lui mettre un compliment. Non, mais il m'a demandé mon numéro de téléphone en sortant d'attraction. J'ai dit oui, mais non. Il t'a pas demandé en mariage non plus. Oui, tu m'as déjà fait. Oui, il faut le faire aussi. Non, on va faire vite fait. Ok. Bah, c'est quelle la prochaine, c'est sûr? Bah, ça, il y a peut-être Pegasus Express. Ok. Attends, c'est ça. Bah, d'abord Pegasus Express. Ah, là, c'est un resto en fait. Non, mais là-bas, Cheval de Troie. Ah, oui. Ah, oui. D'abord Cheval de Troie et après Pegasus Express. D'accord, ok.
Alors voilà, bah, Michi, elle va peut-être trouver l'amour de sa vie à part. Fouf, non. Elle voulait trouver l'amour de sa vie. Non, non, elle le trouvera par Castérix. Non, non. C'est un bon second choix. Ouais, non. C'est la nouveauté. Non, mais non. Alors, Michi. Y'a personne, c'est triste. Y'a personne. Regardez-moi cette. Non, mais c'est. Bah, si c'est. Non, mais si c'était fermé, la porte serait fermée. Bon, bah voilà. Oh, c'est trop mignon, c'est une petite joue rose en fait qui t'en fait. Mais joue rose. Mais ça va être vachement beau, hein. Ah bon? Ouais. Ouais. C'est trop de parajoute. Elle a dit se croire que je rougissais. C'est grave. Bienvenue au Hellfest. Avant de faire du c'est l'attraction que je n'ai jamais fait. C'est quel genre d'attraction? C'est un genre de. Ok, d'accord. C'est super parce que du coup, on va avoir la vue sur le parking. Et ça, c'est vraiment. Innovateur. Je ne sais plus parler. Franchement, on a vachement bien choisi notre jour. C'est qui la meilleure? Bah, c'est moi qui t'ai dit de venir aujourd'hui. T'es marrante, toi. J'avais trop peur qu'il pleuve. Et non. Il fait moche, mais il pleut pas. Donc c'est génial. On va aller faire le vol d'Icar. Et ensuite, l'hydre de Lerne. Pixie! C'est un truc de ouf tellement il y a du monde. Je suis choquée. C'est vraiment blindé aujourd'hui. Oh, ça va, c'est gentil. Ouais. Regardez. Ok. Ça commence. Wouh! Aïto, Nadia! Yata! Où es-tu? Tu es là! Attente. En avant pour le Discovix. C'est pas grave. Ah. Sinon, en fait, nous, à Storybook, on a des canards domestiques. Ah. Et on a Magret, c'est la seule femelle. Et ben, elle est en train de prendre des œufs. Et déjà, l'autre fois aussi, elle a pondu des œufs. Elle a fait 16 bébés. Mais après, les gens. Ils les ont pris, ils les ont mangés. Bah oui. Parce qu'on a pris des œufs. Ouais, se poser un petit peu parce qu'avec toutes ces sensations-là. D'affilée, je veux dire, ça retourne un petit peu l'estomac. Je pense qu'il y a une juste dose là, mais là il y a vraiment trop personne et je pense que les gens qui travaillent là-bas ils se font trop chier. Enfin, à la lancée attraction, il n'y a personne dedans quoi. Transdémonium, l'attraction nulle, mais on l'a fait pour se poser. Tu veux qu'on passe directement à l'oxygénarium? Là, ça va, c'est calme. Oui. Non, là ça va, j'ai digéré. T'as plus mal au ventre? Non, ça va. T'as plus mal à ton petit bidon? Non, ça va. Alors voyez-vous, nous sommes dans la file d'attente de l'oxygénarium. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a absolument personne que depuis le début de la journée. J'ai dit qu'il n'y a personne. Hein? Je dis qu'il n'y a personne et je trouve ça triste. N'empêche, le parc fonctionne, il arrive à faire des attractions quasiment tous les ans. On va pas trop s'en plaindre, nous, en tant que guest. Ah oui, en été, oui, ça... Non, mais je suis déjà venue en pleine période de vacances et c'est affreux à quel point il y a du monde genre dans cette attraction Osiris. C'est infernal. Et du coup, les queues, déjà que là, elles sont longues quand il y a personne. Et quand il y a des gens, c'est encore pire. Georges Pet, tant qu'une fois il en a eu à la crotte de nez. On va aller se faire un petit spectacle si c'est encore ouvert. Mince, il y a trop de monde. Oh mon dieu, il y a trop de gens. Ouais, tout le parc est réuni. À leurs superbes adversaires, les
en plein la gueule. Ah non, c'est moi. Attends, mais t'es pas là, c'est le pire endroit. Oh putain. C'est bien fait pour toi. Ouais, j'ai bien fait de mettre mes bottes. Mais j'ai pas de bottes, moi. Avec des glaces, même si c'est oui. Pas vraiment le temps idéal. Là, il y a des fraises dedans et moi c'est du caramel. Et voilà. Ça va? Oui, Michel a été voir son chéri. Ah non. Il était très content de la voir. Non, pas vraiment, j'ai pas l'impression. Non mais je pense que ses pauvres collègues ils ont du chariot aussi. Hein. Peut-être, un petit peu. Pour moi. C'est triste. Ah mais c'est trop stylé. C'est grave. Ils sont là en mode. Ils sont aussi. Bonjour. Il n'y a pas panoramique, ça fait trop peur. Vous voulez prendre une photo avec Astérix? Ouais. Comment j'ai crié? Bonjour. Je vais pas pouvoir la prendre, ça ouais. Va être une d'entre vous. D'accord. Ou alors, il faudra demander si vous avez des gens derrière vous. Pour prendre la photo. Vous prendre la maman photo, ça vous ennuie ou quoi? Sorry. Can you take the picture? Absolutely. Yeah? Yeah? Absolutely. Thank you. Excusez-moi. Oh, sorry. C'est une sacrée tête ou c'est moi? Bon, on a la bergerie également. Le mâle dindon a déployé sa crête et sa queue touffue. Afin de séduire les femelles. On va essayer de séduire une femelle poule aussi, qui donnera des poules d'adono. Durant la saison du printemps. Les mâles sont très goinfrés. Et les femelles abordent leurs chaussures à plumes. Chaussures? Ben regardez, elles ont des chaussures à plumes. Exactement, c'est vrai. La femelle a repéré le mâle. Il lui fait une parade nuptiale. Ah, nous voyons le papa coq qui a pris aussi beaucoup de poids. Il gonfle sa crête. Il fait. Il a changé le coq. Et vous vous foutez de ma gueule? C'est ça, vous vous foutez de ma gueule? Non. Oh putain. La femelle vient défendre son mâle. Regarde, arrête, ils arrivent tous là. Arrête, il va nous attaquer, j'ai peur. Regarde-moi cette tête. Oh bah voilà, regardez le mâle d'Adro, il va chercher à pécho la femelle. Il s'est fait. Putain, il va te griller dessus, j'avais fermé là. Regarde les moutes de ses fesses. Et là, il va tenter de la pécho. Il va tenter une. Il va la coincer dans un voilà, mur. Il l'a coincé dans un mur et après il va faire. C'est devant cette petite ferme qui fait. Ah ok, merci. On se dit au revoir et c'est là que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et le prochain vlog, normalement, ça sera dans un endroit encore plus spécial. Mais ça, il faudra attendre un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, d'accord? Et on vous fait des bisous. Bisous. À bientôt.